Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'Anesthésie Diamant. On se retrouve aujourd'hui pour des unboxings. J'ai reçu plein de colis de AliExpress. Je pense que je vous ferai deux vidéos. Alors, on va ouvrir les deux et je ferai les deux autres dans une prochaine vidéo. Ce n'est pas un partenariat, c'est moi qui les ai achetés. Par contre, comme je filme avec mon téléphone, je n'ai pas les prix en tête. Si quelqu'un les veut, je les mettrai en barre d'infos ou en commentaire avec la personne. Alors, j'ai commandé. Je l'ai ouvert parce que je me demandais ce que c'était. Tout est arrivé en 12 jours à peu près. J'ai commandé des petits porte-clés. Je trouvais trop mimi. Alors. J'attends d'autres choses qui ne devraient pas tarder non plus. Alors. C'est des petits gnomes. Il y en a un. Ils sont recto verso. 2. 3. Il y en a 5. Ils collent entre eux. 4. Je suis désolée, je vais devoir m'enlever parce que mon chat va vouloir sortir. Et 5. C'est flou. Voilà, 5. Je les mets là. 5. Alors, je me lève juste 30 secondes. J'arrive, je ne suis pas perdue. C'est que je prends mon chargeur de téléphone parce que je n'ai presque plus de batterie. Je veux pas que ça clignote. Voilà. Alors, nous avons le toolkit avec les petites attaches. Le toolkit marquette verte. Stylet, pain de colle, comme d'habitude. Et nous avons, alors, 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 et les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suppose que ça doit se mettre comme ça. On accroche dans le petit trou là. Oui, il y a un petit trou, on met la ficelle, enfin le... et hop, après on raccroche avec le petit mousqueton. Voilà. Alors, je remets tout dans le sachet. J'espère que vous allez bien. Nous, c'est pas la joie vers chez nous. Il y a une montée de Covid partout, dans les écoles, partout. C'est. Au travail, mon mari, c'est une catastrophe. J'espère qu'on ne sera pas touché. Alors, nous avons des noirs en strass, des noirs normaux bruns, des strass rouges, argentés, roses, oui c'est rose, rouge plus foncé, vert, jaune, des plus gros jaune, argenté, rouge, vert, des gouttes qu'on n'aime pas mettre, argenté, rouge et verte. Voilà. Ils sont arrivés quand même rapidement parce que j'avais peur. Je dis, voilà, des petits porte-clés comme ça, souvent ça met très longtemps, mais non, ça a été. Que je voudrais en faire pour offrir à Noël. Je trouve ça mignon. Voilà, j'ai pas payé bien cher, hein. Je me rappelle plus exactement le prix, mais alors on va ouvrir ceci. Je cache la même adresse. Alors, ça doit être un sac. J'avais vu sur la chaîne Angélique DP.
qu'elle l'avait fait. Je l'ai trouvé très 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 mignon. Excusez-moi pour le bruit. Pour ceux qui aiment. Bon, voilà. Ah oui, c'est grand. Je n'imaginais pas ça aussi grand. Alors. C'est comme ceci. Ça colle. Super bien. De toute façon, des choses comme ça. C'est des cœurs avec des fleurs. Et à l'intérieur, c'est isotherme. Je trouvais très mignon. Alors, j'ai copié. Alors, nous avons un toolkit de base, barquette, pain de colle et stylet. Et la pince plastique qui ne pince pas, mais donc qui peut être utile pour prendre les gros diamants. Moi, j'utilise mon stylet ou ma pince qui va bien, là, vous savez, les noirs. Alors, on va regarder les diamants. Voilà, il y a des jolis adhésifs. J'ai vu. Alors déjà, si on ne voit pas les numéros, c'est qu'on est... Oula, il y a un sachet qui est ouvert. Alors. Je ramasse les petits diamants. Voilà. Alors là, c'est très très beau. Et là, à mon avis, il ne devait pas en avoir. Vous avez vu les numéros? Ils sont marqués, ils sont immenses. Alors, ils ont des traces un peu marronnées, argentées, vert clair, violet, bleu. Alors ça, c'est rose. Et je vois que j'en ai là aussi, dans un sachet à part. À mon avis, il doit en manquer. Ils ont dû remettre un sachet. Je pense, hein, parce que c'est les mêmes. Les jaunes, regardez les AB, c'est des noirs, ils sont magnifiques. Et des grosses gouttes holographiques, superbe. Je pense de toute façon qu'on sera en vidéo. Pour l'instant, je fais la priorité des objets de Noël. Là, j'ai bien avancé mon sapin. De toute façon, je referai une vidéo avec vous pour vous montrer mon avancée. J'ai fait le socle, j'ai fait le Père Noël. Et j'ai presque fini un côté du sapin. Et je vais vous tourner aussi une vidéo pour vous faire voir aussi mes toiles terminées de octobre-novembre parce que j'en ai terminé quand même pas mal. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Un joli sac et des petits porte-clés gnome. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Salut tout le monde.